Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskripon pour une vidéo audio commun. J'espère que vous allez bien mes frères et sœurs et que votre journée s'est passée dans de très bonnes conditions et que vous n'avez pas eu de problème avec qui que ce soit. Mes frères et sœurs, si vous avez eu des soucis avec quelqu'un et vous sentez que vous avez gros sur le cœur, c'est le moment de me battre la tête et laisser l'affaire. Laisse tomber mon frère. Ça ne sert à rien de garder toutes ces histoires-là dans ton cœur pour rien. Je préfère te dire ça pour commencer cette vidéo parce que hier, Seigneur Sobon, nous avons découvert des choses étranges, des témoignages puissants que nous avons envie de vous en parler encore ici, mes frères et sœurs. Vous serez même plus étonnés qu'étonnés. Bien. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous êtes nouveau. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Vous pouvez cliquer là-dessus, cliquer sur la cloche de la TV et soyez prêts, ça va être extraordinaire. Et tout ce que nous allons vous dire, ça va vous aider. Ça va nous tous nous aider même. Parce que sur la terre, nous sommes soumis à des règles ou encore à des lois qui sont contre nature. Et les démons sont là. Et les sorciers sont là. Les satanistes sont là. Et ce qu'ils veulent, c'est de nous combattre. Combattre tous ceux qui n'appartiennent pas à leur club ou encore à leur groupe de petites. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire que quand vous n'appartenez pas au diable, vous devenez son ennemi ou encore l'ennemi de son système. Une personne qui fait défaillance à son système, une personne qui doit tout simplement soustraire de son système. Et pour lui, le monde entier l'appartient. Et lui doit vraiment s'imposer. Avant d'arriver jusqu'à là, nous allons vous parler de quelque chose. Hier, si vous avez bien regardé les témoins puissants que nous avons fait, nous avons découvert ensemble qu'il y avait un homme de Dieu qui était vraiment un homme de Dieu fort. Un homme de Dieu fort là. Quelles sont ses caractéristiques? Un homme de Dieu fort, c'est tout simplement un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu premièrement. Il prie, deuxièmement, il prie longtemps, il fait de fortes prières. Il peut même jeûner et il recherche en permanence la face de Dieu. Et ça, c'est le troisième élément. Et il cherche à s'éloigner même de tout ce qui n'est pas pur, n'est pas à la gloire de Dieu, parce qu'il est conscient que tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Et tout ce qui est impureté, ou encore tout ce qu'on appelle débauche sexuelle, ou encore la vie de débauche, toutes ces histoires, il est conscient que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne plaisent pas à Dieu, tout simplement. Donc, il fera tout ce qui est possible pour s'en détacher. Un homme qui se comporte ainsi est tout simplement une personne opposée au système du diable. Et quand vous êtes dans cette dimension-là, la première chose que le diable cherchera à faire, c'est de vous combattre. Donc, il va mettre tous ses agents sur votre trace, sur votre course. Ils chercheront les voies et moyens de vous atteindre. Donc, et la première chose qu'ils vont chercher à découvrir chez vous, c'est de chercher à savoir quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Selon vous, quelles sont les forces de cet homme de Dieu ici? Les forces de cet homme de Dieu ici, je résume à une seule chose, la crainte de Dieu. Cet homme-là, la crainte de Dieu. En plus, il prie beaucoup. Et comme il prie beaucoup, il y a une puissance extrême. On va dire, il y a comme... Vous voyez la lumière qui frappe sur mon visage. Quand tu vois ça, tu as dit quoi? Tu as dit c'est la gloire de Dieu. En fait, quand tu vous priez beaucoup, votre feu spirituel s'allume. Et vous êtes bien aimé spirituellement parlant. Et ces âmes-là empêchent le diable de vous attaquer. Il y a un feu qui vous environne comme ça. Ça vous environne. Et ça, c'était la force de cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, bien qu'il était fort, il avait aussi un défaut. Et son défaut-là, c'était que cet homme de Dieu était... Il était arrogant et orgueilleux.
Est-ce que vous voyez? Ce sont des comportements qui se trouvent en lui, mais qui étaient étouffés par la puissance de la prière qu'il avait. C'est-à-dire, à force de prier, rencontrer Dieu, ces comportements-là ont été affaiblis. Ça veut dire que ici, ce sont ces faiblesses qui sont là. C'est comme quelqu'un va dire, ce sont ces vieux démons qui ont été emprisonnés par la puissance et la force de la prière. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que comme lui, les démons sont à sa chasse, ou encore comme les sorciers sont à sa chasse, ils cherchent à le tuer tout simplement parce qu'il ne fait pas partie du système mondial, ou encore du système de Satan, ils vont s'intéresser à ce niveau-là, au niveau où cet homme-là, il est faible. Et ils vont décider de tout mettre en œuvre pour activer ses anciens démons, ses vieux démons. Autrement dit, son vieux caractère, son vieux comportement, qui est l'orgueil, qui est la colère, tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous commencez à voir. Vous allez commencer à voir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement mettre près de cet homme de Dieu des gens qui vont tout simplement le pousser à la colère, à réveiller sa colère. Comment l'ennemi fait? L'ennemi, pour arriver à ce niveau, il passe par les gens qui sont proches de vous. Il peut même passer par les gens même en qui vous avez confiance. Si vous êtes à la maison et que vous avez des enfants, l'ennemi peut faire en sorte que vos enfants, à un moment donné, se mettent tous à faire des choses qui vont vous énerver. Qui vont carrément vous énerver. Je vous parle de quelque chose. Et c'est exactement ça. Parce que l'ennemi cherche juste que vous puissiez tout simplement vous mettre en colère. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi? C'est tout simplement parce que comme vous vous mettez en colère, ça ouvre le porte au démon. C'est comme si on pourrait vous dire que ce comportement colérique là, ou encore ce comportement de colère, c'est un démon qui vit en vous. Et ce démon là, il va ouvrir d'autres portes à d'autres démons dans votre vie. C'est le démon de la colère. Ça existe, mon frère, ça existe, ma soeur. Peut-être que tu ne sais pas, c'est pourquoi toujours tu te laisses emporter par la colère. Ma soeur, si tu te laisses emporter par la colère, tu es en danger. Mon frère, si tu te laisses trop emporter par la colère, vraiment, tu seras même facile à atteindre par les ennemis. Parce que le sorcier qui va venir, le diable qui va venir t'attaquer là, il va utiliser cette porte-là, cette faiblesse que tu as, pour pouvoir t'atteindre. Donc, il va passer par les gens qui sont proches de toi pour te mettre en colère. Si tu étais laissé en petit, tu n'as pas vu, tu n'as pas eu les yeux spirituels pour voir que le diable veut vraiment t'étouffer ou encore veut te mettre en colère. Tu n'as pas pu percevoir cela rapidement. Ce qui va se passer, c'est que si tu es tombé dans cette colère-là, toi, tu risques d'être atteint par le diable et ses démons. Donc la colère, l'arrogance. Et si toi, tu n'as pas d'enfant, dans le cas où toi, tu n'as pas d'enfant, ce que le diable va faire, c'est qu'il va passer par d'autres personnes. Il va chercher, il va t'étudier. Où tu vas, avec qui tu es en contact, avec qui tu t'entends bien, juste pour essayer de t'atteindre. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire que si vous êtes par exemple un dirigeant, vous dirigez une entreprise, ce qui va se passer, c'est que le diable va tout mettre en œuvre pour que un de vos partenaires vous pousse à vous mettre en colère, ou il va tout mettre en œuvre pour éveiller l'arrogance en vous, l'orgueil en vous. Dès que ces portes là sont ouvertes, ce qu'il va faire, c'est que il va commencer à envoyer d'autres démons qui vont commencer à ouvrir d'autres portes afin que le diable et ses démons puissent bien vous attaquer. Dans le cas où vous êtes un homme de Dieu, ce sera facile pour le diable de vous atteindre. Comme élément, qu'est-ce qu'on dit même dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, on nous dit que le soleil,
se trouve là, là, ne se couche sur ta colère. Que le soleil qui est là, là, ne se couche. Est-ce que vous voyez le bien le soleil là? C'est là. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. C'est-à-dire que quand toi tu es en colère, c'est-à-dire, la colère ça peut arriver, tu peux être en colère, mais il faut laisser affaire tout de suite. C'est pourquoi l'introduction, tout ce qu'on vous a dit de laisser affaire. Ah! Que le soleil ne se couche point sur ta colère. C'est-à-dire qu'avant que le soleil ne se couche là, toi il faudrait que tu libères ton cœur, tu libères ton esprit et tu laisses affaire. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu puisse t'aider. Il faut prier, mes frères et soeurs, il faut prier. Il faut vraiment prier. Si tu ne peux pas, tu vas t'aider dans ce sens. Dieu, il est là pour nous aider dans cette dimension. Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que ces choses sont réelles. Ces choses sont vraiment réelles. Ça veut dire aussi que si vous êtes une personne qui est trop arrogante, sachez qu'il y a un démon qui est en vous. Et ce démon-là s'appelle le démon de l'arrogance. Si vous êtes trop orgueilleux, c'est qu'il y a un démon en vous. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le démon de l'orgueil. S'il y a un autre démon encore qui est là encore en vous, ou bien si vous êtes trop, en tout cas, il y a tous les caractères de ce monde qui sont censés être mauvais, sont accompagnés par les esprits qui les animent ou encore qui les activent à un moment donné. Par exemple, toi, tu es en colère. Quand tu es en colère, là, à un moment donné, tu entends des voix. Quelqu'un t'est énervé, tout de suite, tu dois faire quelque chose. Deux personnes sont en train de se bagarrer. Que se passe-t-il? Il faudrait que les deux soient animés par une puissance de la colère. Ils soient en colère contre l'autre. Il y a une rage. Ils appellent ça la rage. La rage. Ah, c'est quelle rage ça? Toi, tu es un humain. Et puis, tu dis que tu as la rage. Comment ça se passe? Est-ce que tu es donné un animal? Ou bien un chien, il y a un problème, c'est un démon que tu es en train de nourrir comme ça. Et c'est le démon là, qui va commencer à parler à ton esprit. Fais ça, fais comme ceci. Et au moment où tu vas commettre quelque chose de grave, ou peut-être quelqu'un va mourir à cause de toi, c'est là ce démon là va te quitter. Et c'est là maintenant tes problèmes vont te trouver là. Et on risque de te mettre en prison gratuitement. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que quand tu t'es mis en colère, tu as ouvert la porte aux démons qui sont venus te suggérer de mauvaises pensées et puis ils t'ont conduit à la mort, ils t'ont amené même à tuer quelqu'un et tu t'es retrouvé là-bas en prison. Par exemple, voici trois éléments qui font tomber les hommes de Dieu aujourd'hui, comme d'après les informations que nous avons reçues. On dit le premier élément, c'est l'argent. Les hommes de Dieu qui aiment trop l'argent. Quand tu es un homme de Dieu qui aime trop l'argent, le démon maman va venir s'installer en toi et te créer tous les problèmes qu'il peut créer ou bien ouvrir la porte à d'autres démons. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'orgueil. Les hommes de Dieu sont trop orgueilleux. On dit qu'ils sont orgueilleux. Dès qu'ils commencent à avoir beaucoup d'argent, l'orgueil s'installe. Ils veulent montrer à tout le monde que eux, dans le passé, ils étaient à tel niveau, mais aujourd'hui ils sont à un autre niveau, vous ne pouvez rien leur faire. Et quand ils marchent, même on sent qu'ils marchent comme si il n'y a que lui et il n'y a que seulement lui sur la terre. Et le troisième niveau, c'est quoi? Le troisième niveau, c'est tout simplement l'amour des femmes ou encore le sexe. Les hommes de Dieu, la plupart du temps, surtout les jeunes hommes de Dieu, ils aiment tous les femmes. Ils aiment tellement les femmes que vous ne pouvez pas imaginer. Quand un homme de Dieu aime une femme, par exemple, dans ce cas-là, qu'est-ce que le Dieu fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que vous aimez vraiment beaucoup les femmes. Il va tout mettre en œuvre, vous placer devant vous les femmes les plus belles. Même il va amener des belles femmes, des femmes. Elles peuvent même avoir beaucoup d'argent. Et elles vont venir vous soumettre leurs problèmes. À mettre à profiter de cette belle opportunité de s'habiller de façon sexy pour éveiller en vous le côté amour de femme, amour de sexe, afin que vous puissiez être séduit par ces femmes à qui vont venir juste s'asseoir là devant vous pour vous parler de vos problèmes et qu'elles se mettront à vous séduire. Parce que quand elle va venir te parler de ses problèmes, elle n'est pas venue pour te parler de ses problèmes. C'est un agent du diable qui est là. Donc quand elle va venir, elle va te séduire. Elle va te montrer tout ce qu'elle a de plus fort, de plus puissant sur elle.
Et toi, tu vas même oublier même que tu es un homme de Dieu à ce moment-là. Et quand tu vas oublier que tu es un homme de Dieu là, ce démon qu'il a envoyé là, il va te lancer encore beaucoup plus de flèches. Il va te lancer encore beaucoup plus de flèches. Ça va t'avoir, cette vidéo même là, c'est un conseil grand pour tous les vrais chrétiens, toutes les personnes qui veulent vraiment suivre Dieu. Les gens du monde ne se soucient pas de cette histoire. Mais de la même façon, le diable se dit qu'il les a déjà eu parce qu'eux, ils sont déjà des proies faciles. Parce que les proies difficiles à avoir, ce sont les gens qui gardent les commandements de Dieu et qui font tout pour éviter tous ces éléments que nous sommes en train de même vous citer ici là. Mes frères, vous ne devez pas oublier ça. Si vous êtes en colère, si quelqu'un vous a fait du mal ce matin et vous avez couru sur le cœur, laissez tomber l'affaire. Parce que le diable vous cherche, il cherche juste une porte ouverte pour entrer en vous. Ça veut aussi dire que s'il y a un sorcier qui se trouve dans votre famille, ce sorcier-là, il fera tout ce qu'il a à son possible pour vous mettre en colère. Son travail, ça sera ça. Chercher les voies et moyens chaque jour de vous mettre en colère. C'est à ce moment ce dernier va se mettre à faire des vilaines choses, les choses que vous détestez. Oui. Les choses que vous êtes censé ne pas accepter. Vous allez vous dire, mais vous allez même lui dire, ah, toi là même là, tu me cherches ou quoi? Il te cherche, il cherche ton âme, il cherche juste que tu te mettes en colère. Quand quelqu'un se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait n'est plus galvanisé par le Saint-Esprit, n'est plus propulsé par le Saint-Esprit. Parce que celui-là même, qui a tout être énervé par un sorcier qui le cherche à le mettre en colère, lui, la première chose, c'est qu'il va manifester le calme. Le calme, quelqu'un veut te chercher de la bagarre, oh, toi tu ne lui as rien fait, tu ne t'intéresses pas à la personne. Donc la première chose, tu vas te calmer. Et en ce moment où tu es calme là, toi il faut réfléchir. Cherche à savoir, mais pourquoi cet homme-là me cherche des embrouilles? Pourquoi il me cherche des embrouilles ce matin là? Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Parce que chaque action, chaque chose que nous traversons dans notre vie chaque matin, même au boulot, au travail, tout ce qui se passe, il y a quelque chose qui se trouve derrière, il y a une chose qui se trouve derrière que vous devez savoir. Il y a des esprits qui travaillent. Et si vous êtes un patron, un bon patron, et vous dirigez même votre entreprise selon le Saint-Esprit, selon Dieu, le diable ne va pas accepter cela parce qu'il va se dire que vous êtes un opposant à son système. Il cherchera à vous renverser. Soit il fera tout pour que vous lui apparteniez, ou il fera tout pour vous renverser, pour renverser toute votre entreprise. Et les éléments qu'il utilise la plupart du temps, ou encore ces derniers temps-là, c'est ça, la colère. Et si vous êtes un vrai homme de Dieu et que vous priez dans un endroit, et que votre prière bloque le diable et les sorciers du quartier, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'associer tous ensemble pour venir vous voir, pour vous dire que vous faites trop de bruit. Ce sont les sorciers qui font ça. Quand vous combattez spirituellement, que ces choux-là, ils viennent physiquement. Oh, vous faites trop de bruit. Là où il n'y a pas de problème, eux, ils créent des problèmes. C'est-à-dire, ils vont s'asseoir dans un endroit, dans le monde des ténèbres, et réfléchir sur comment faire pour vous accuser. Et ils sont là, ils posent des actions, et ils vous regardent pour voir quel comportement vous allez faire. C'est comme des gens qui vous cherchent. Ils cherchent, ils vous cherchent, ils cherchent. Donc, ils posent des actions, et ils s'attendent que vous réagissez afin qu'ils puissent frapper, lancer le plan B. C'est exactement ce que les sorciers qui sont autour de nous font. Quand vous êtes sur un bon chemin, vous êtes sur le chemin qui va vous donner beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de poissons, même le chemin quand vous avez au paradis, le diable fera tout pour vous faire dévier de ce chemin-là. Et c'est ça. Le diable même peut envoyer une femme. Les femmes, vous l'avez même dans la Bible, non? Dans la parole de Dieu, on nous a dit qu'à un moment donné, là, le roi Salomon, même qui était l'homme le plus sage de la planète, là, à un moment donné, il était dévié du bon chemin. Il s'est mis même à offrir même des sacrifices même à d'autres dieux. Il a des offrandes à d'autres dieux à cause de ses femmes. À cause des femmes étrangères qu'il avait. Vous voyez le pouvoir qu'une femme, que le diable peut mettre dans une femme. Le diable peut utiliser ces éléments-là pour détourner les gens de la voie de Dieu. Faites très attention à cette fois-ci. Faites très attention. Et levez-vous beaucoup dans la vie, dans la prière. Levez-vous beaucoup dans la prière. Prenez votre Bible et lisez votre Bible. Un chapitre entier. Lisez tout. Même si vous ne comprenez rien, lisez. Même si vous ne savez pas pourquoi vous lisez, lisez.
votre subconscient ou encore votre âme, votre esprit sait pourquoi vous êtes en train de lire. Parce que c'est une nourriture que lui peut consommer. C'est une nourriture qui lui est réservée. Mes frères et sœurs, faites ce que nous sommes en train de vous dire. Maintenant, analysez votre vie. Qui est autour de vous et puis vous cherchez des ennuis et vous cherchez des embrouilles? Qui est autour de vous et vous cherchez des ennuis et vous cherchez des embrouilles? Sachez que cette personne est propulsée par des démons, c'est votre ennemi. Mais vous ne devez pas le combattre par la bagarre, sinon il vous a eu. C'est ce qu'il cherche. Vous, premièrement, vous devez manifester le calme, la réflexion, vous devez réfléchir. Cherchez à savoir quel est le démon et pourquoi c'est vous qui sentez attaqué à ce moment-là. Et revenez pour prier, que la guerre se passe dans la prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, charge-toi de tous mes ennemis chaque jour. Et vos ennemis là, qui sont dans le monde spirituel, il faut continuer les actions. Hein. Dès qu'ils vont découvrir que vous savez toutes ces choses, ils vont se mettre à changer de stratégie. Faites très attention. À ce moment, on va vous dire, soyez intelligent. Et ayez l'esprit de discernement. C'est-à-dire que la première chose que tu dois demander à Dieu quand tu te lèves chaque jour, là, ça ne doit pas être l'argent. Tu dois demander à Dieu de te donner son esprit de discernement et son intelligence. Parce que tu as tes ennemis qui sont là, qui cherchent à te tuer. Eux ne cherchent pas ton argent. Hein. Ton argent, ton bien, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Eux, ils s'intéressent à ton âme. Comment faire pour te mettre en colère afin que tu puisses ouvrir une porte, afin qu'ils puissent lancer des flèches sur toi pour te tuer, là, pour t'achever? C'est ça l'intérêt. Mais toi, sois vigilant. Dans tout ce que tu fais, mets Dieu devant. Tu veux manger un truc, prie. Tu veux boire un truc, prie dessus. Prie dessus. Prie sur tout ce que tu trouves. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, accompagne-moi de toutes mes activités. Si tu veux manger, purifie. Tu dis, Seigneur, purifie ce repas-là. Dieu va t'aider. Toi seul dans le combat, tu ne veux pas. Fais attention aux femmes sexy que tu vois dans la rue. Au fur et à mesure que tu vois des femmes nues, ou bien des femmes qui habitent de façon sexy, des jeans plaqués dans la rue, c'est au fur et à mesure que tu accumules dans ton subconscient des informations qui vont se manifester plus tard, qui peuvent même te pousser à te masturber. Si tu arrives à te masturber, la masturbation, là, c'est un grand péché même. Te condamne même directement à l'enfer. Oui, le diable ne fait rien pour rien. Hier, on a parlé de la télévision, des films, de toutes ces choses qu'on voit, les films pornographiques. Là encore, ce sont d'autres choses qui existent que le diable utilise pour bloquer les gens. Est-ce que vous savez même que le diable ne dormait pas? Est-ce que vous êtes conscient que votre ennemi? Excusez-nous pour le bruit. Est-ce que vous êtes conscient que votre ennemi, le diable, il est un esprit et qu'il ne dort pas, il ne peut pas dormir? Ça veut dire que 24 heures sur 24, il sera là à vous surveiller. 24 heures sur 24, pendant que vous êtes endormi, lui, il sera là juste à vous, il sera en train de vous regarder et il va planifier encore des plans contre vous. Donc vous n'imaginez pas combien de fois le grand Dieu qui se trouve même dans le ciel. Le grand Dieu que nous adorons, l'éternel des armées, il s'occupe bien de nous. Il ne peut pas comprendre ça. Dieu s'occupe trop bien de nous. Le fait que tu aies la vie même et que tu regardes cette vidéo-là, c'est la grâce de Dieu. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie que tu me donnes, pour la vie que tu m'as donnée encore. Parce que la vie que vous avez là, c'est la grâce de Dieu. Même quand vous souhaitez que vous achetez de la nourriture, parfois la nourriture que vous achetez là, ce sont des corps, de la chair humaine. Oui! Vous avez des témoins puissants et précédents. On en a parlé. Que personne ne vous trompe aujourd'hui. Que personne ne vous trompe, mes frères et sœurs. Cherchez ce que vous devez chercher. Et vous allez trouver. Sachez que sur la terre, nous sommes en guerre. Ce n'est pas une vie. Nous ne sommes pas en paix sur la terre. La terre, c'est un lieu de combat. Là, tu peux avoir l'argent. Ou tu peux avoir une promotion. Ou on peut te donner $1 million comme ça, juste. Comme ça, parce que tu travailles bien. Tu vois, ça va te réjouir. Il faut te réjouir. Mais mets-toi dans la tête, quand même, que tu te réjouis, il y a des gens qui sont là, qui veulent bloquer ta joie, qui veulent empêcher ta joie, qui sont là. Toi, tu dois vraiment très faire, tu dois faire très attention. Tu dois vraiment faire plus attention qu'attention. Et nous allons vous dire, si nous vous expliquons pas ces choses, vous allez peut-être être surpris. Peut-être que vous avez entendu cela quelque part, mais vous avez négligé. Mes frères et sœurs, faites attention à ces trois choses. La colère, l'orgueil, les femmes. Vous ajoutez même l'amour de l'argent.
et mettez Dieu au devant de vos choses, de tout ce que vous faites. Nous en parlerons certainement dans la prochaine vidéo. Nous serons témoins puissants, soyez prêts. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si ça vous a appris quelque chose, cliquez sur j'aime. Donc, cliquez sur j'aime une seule fois. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur j'aime sur bon sur cette vidéo. Vous aurez tout simplement accès à notre page que vous allez voir. Abonnez-vous aussi sur le voyant sur bon 2 et sur bon 3. Deux autres logos qui vous attendent sur la page d'accueil. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et pourquoi vous pour la prochaine vidéo ici. Ça va être extraordinaire. Nous apprendrons encore des choses pour nous aider. Prenez soin de vous.